association principalement composée de parents d'élèves qui vise à récolter des fonds pour subventionner les écoles publiques de Charlie pour leurs différents projets pédagogiques ou les sorties scolaires. Donc on organise plusieurs manifestations tout au long de l'année scolaire. Donc nous organisons normalement en septembre le Cross des écoles, qui est la première manifestation pour ouvrir l'année scolaire et permettre aux enfants un peu de faire connaissance. Ensuite on enchaîne avec Halloween avant les vacances de la Toussaint. Ensuite nous faisons une fête du jeu en janvier, le carnaval en mars et on termine l'année en beauté avec la kermesse. Donc cette année a été un peu particulière étant donné qu'on a eu des conditions météo défavorables en septembre et on a dû donc reporter le cross en juin. Donc on a deux manifestations un peu à la suite l'une de l'autre. Et donc avec les fonds, en fait, on attribue une enveloppe par enfant qui sont communiquées aux directrices en début d'année. Et chaque directrice peut, en fonction du budget qui lui a été alloué, à son bon vouloir, organiser des sorties ou en fonction de son projet pédagogique.